بابا فين غادي؟ صافي بنيتي مودو وانا جرات على باباك من الدار. ماشي حرام عليك، انا فين تخلينا بابا؟ انا ما نخليكش، انا من بعد غادي نجلس انا وياك ونشرح لبنتي كلشي. ابد صافي، راك كبرتي وعارفه شنو كاين. صافي ايا راه نسيتي ما ديتي معاك القفه باش تمشي للمارسي. ايه وتخش الكرافس. ايه تمشي عند مول الرياضه واه واش داكشي اخر وتمشي عند المصور. ايه والله يستر، راه شي حاجه كدور عندكم في الدار في ذاك المخ ديالكم، راه دخلت لكم البصله مع الكرافس وكاو تابعين هذا. الله يستر. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، انت صنع الاله، انت صنع الاله. يا جمال الزهور سبحانك يا رب. L'univers tout entier, les musulmans du monde tout entier se préoccupent de savoir à quel moment commence le mois de Ramadan. À quel moment se termine-t-il? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Le médecin téléphone et demande après le début du mois de Ramadan. L'ingénieur fait pareil. Le dealer, le délinquant, fait pareil également. Malgré ses défauts qu'il a, malgré ses péchés qu'il commet, il a quand même un fond de bien en lui-même. Il téléphone. Allô, qu'est-ce que je peux faire durant le mois de Ramadan? Allô, quand est-ce qu'il commence? والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، mes honorables frères et sœurs, très chers amis, camarades, je vous salue par la meilleure des salutations qui puisse exister sur cette terre, la salutation de la paix. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur et le plaisir, bien évidemment, de vous rencontrer dans cet épisode, dans cette séquence un peu particulière pour les personnes qui ont l'habitude de me voir aux côtés de savants, de prédicateurs, d'imams. Eh bien, aujourd'hui, j'ai également l'honneur d'être aux côtés de mon frère, l'Oustad Saïd Nassiri, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, l'Oustad Saïd Nassiri, qui est connu, on va dire, dans les séries télévisées, dans le cinéma également. Il est connu notamment pour cette série dont il portait, on va dire, ce surnom de l'Abbas, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, qu'Allah ta'ala, l'Oustad de la Khoutak. Et bien évidemment pour Saïd Nassiri, lui qui est réalisateur, producteur également, qui est comédien, qui est acteur également, ça en fait des responsabilités. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Oustad Saïd Nassiri a également un certain public qui le suit également. Et un des problèmes qui, on va dire, qui nous rejoint tous, c'est-à-dire le monde des jeunes des mosquées, le monde également en général, par rapport aux jeunes, les jeunes qui regardent par exemple ces films, qui regardent ces séries télévisées, certains d'entre eux sont souvent poussés par un phénomène qui détruit leur vie, qui détruit parfois les vies même de leur famille. Nous on en connaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à les rencontrer, à les croiser, on discute, on essaye de remédier un peu à leurs problèmes. Je pense que normalement, enfin je pense Allah ta'ala alam que toi également tu as déjà été confronté à ce genre de jeunes qui sont un peu désorientés, perdus. Ce phénomène qui les touche, c'est la drogue. Et une fois qu'ils goûtent à cette drogue, eh bien ils s'attachent. Maintenant, il est important de faire en sorte d'essayer de trouver des solutions, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur que le dialogue, parce qu'il faut de la motivation pour pouvoir arrêter avant de franchir, on va dire, les pas de tout ce qui concerne, d'un point de vue médical, etc., etc. Donc, ça serait bien que tu puisses un peu les exhorter par rapport à ça, d'un point de vue, par rapport à ce phénomène, en fait. D'abord, je vous remercie pour tout le travail que vous faites, parce que c'est quand même un travail qui est très très important. Il demande beaucoup d'efforts et c'est pas facile de dresser par exemple et d'aiguiller des jeunes maintenant à cette époque-là quand il y a plein d'autres divertissements et d'autres influences qui les désorientent, comme l'internet, comme la télévision, le cinéma et aussi la mauvaise fréquentation
Et aussi les gens qui sont très mauvais et qui sont contre notre religion, nos principes, notre éducation, et qui essaient de nous détruire, nous les Arabes, nous détruire nos valeurs, en tant que Marocains, en tant que musulmans, en tant que Arabes. Je sais que c'est difficile pour vous, mais et que vous êtes en train de faire quand même un effort extraordinaire. Nous aussi, les artistes, on le fait à notre manière. À notre manière, c'est-à-dire que la télévision est un moyen très important parce que il nous permet d'être un intrus, si on peut dire, même si on est indésirable parfois, au sein d'une famille, malgré eux, on est là, on est invité chez eux à la maison, et je crois que c'est une opportunité pour nous de lancer des messages à ces jeunes, et pas seulement aux jeunes, mais à tout le monde, c'est-à-dire vos familles. La différence entre nous et ce que vous faites, par exemple, vous, les profs, les chercheurs, les gens de la religion et tout ça, c'est que vous donnez, par exemple, des messages directs. Nous, c'est indirect, c'est d'une manière artistique. On essaye, par exemple, de les orienter vers la bonne chose, de dire, par exemple, voilà, il y a des messages qui sont très, très, très importants. On essaye de les véhiculer, dire, par exemple, à ces jeunes que... par exemple, la drogue, qui est vraiment un phénomène qui existe depuis des années et des années, et qui ne sert que, les intérêts de gens qui s'enrichissent, en détruisant les vies des autres, et que leur but, c'est vraiment la destruction et le gain facile. Alors, je m'adresse à ces jeunes et je leur dis... il vaut mieux laisser tomber et qu'ils doivent penser d'abord à leur santé, avant tout. Parce que la drogue, ça détruit pas seulement la vie de la personne, mais aussi la santé de la personne. Il est détérioré, il s'attache, il devient dépendant, il ne peut plus lâcher, il peut même détruire la vie de l'autre. Moi, j'ai vu même des cas au Maroc, ici par exemple, et même dans d'autres pays qui sont comme les États-Unis, tout ça, des gens qui tuent pour avoir un peu d'argent, pour acheter de la drogue. Et il y a quelqu'un qui a tué sa mère. Exactement. Et ça m'a vraiment fait, ça m'a choqué, moi. C'est-à-dire, exactement, arriver jusqu'à tuer la femme qui t'a donné la vie, qui t'a élevé, qui t'a pris dans ses mains, c'est-à-dire, il a tué cette femme qui n'aime personne, peut-être qu'il t'aime plus qu'elle-même. Alors je trouve que c'est très très fort. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites attention, ne faites pas ça. Pensez à vos familles, pensez à faites des rêves intéressants, essayons de construire au lieu de détruire. C'est très important. Tu as soulevé notamment la question, par exemple, de la mauvaise fréquentation, d'accord, sachant bien évidemment que la mauvaise fréquentation est également un facteur qui amène justement à ce genre de dérive, etc. Ouais. Mais il y a également des personnes qui ont une mauvaise fréquentation, mais pas forcément, je veux dire, ils ne tomberont pas forcément dans la drogue. Et ici, j'aimerais plus me diriger par rapport à l'ingratitude, ou plutôt aux personnes qui sont ingrats envers leurs parents, d'accord, et justement à cause de cette mauvaise fréquentation, c'est-à-dire que la mère prend soin de son enfant dès sa naissance, bien avant sa naissance même, lorsqu'il est encore dans le ventre de celle-ci, et lorsque ce jeune homme arrive à une certaine période d'adolescence, on va dire, qui est une période par laquelle beaucoup de gens passent et essaient de la traverser, eh bien ils deviennent ingrats envers leurs parents, ça part dans tous les sens, ça insulte, ça frappe, ça quitte le foyer en colère, etc., etc. Alors que le seul conseil de la mère, à chaque fois que ce jeune homme sort de la maison, c'est « fais attention à toi, fais attention à ta santé, fais attention à ceci, fais attention à avec qui tu traînes, etc. etc. » Et qu'est-ce que toi, tu pourrais éventuellement maintenant dire à ces personnes qui manquent de respect à leurs parents? Et des fois, ils s'en rendent compte une fois qu'ils perdent leur mère. Ouais. Et non seulement quand ils perdent leur mère, mais quand ils sont attrapés dans un problème. Exactement. C'est là où ils comprennent vraiment qu'ils ont eu tort. Et quand ils ont tort, c'est trop tard parfois. Parfois, c'est rattrapable. On peut se rattraper, on peut revenir et tout ça. Mais tout ce que je tiens à leur dire, que même s'ils font des erreurs, même s'ils partent, et un jour ils se sentent qu'ils ont besoin de revenir, ils reviennent. Parce qu'il y en a qui sont tellement fiers, ou bien qui se disent, peut-être maman ou mon père ne voudront plus de moi que si je reviens à la maison. Moi, je leur dis... les parents ont toujours les mains ouvertes pour leurs enfants. Les parents, ils sont toujours heureux de nous accueillir. Et même si on leur fait parfois du mal, même parfois, ils sont toujours là pour nous.
Alors, ce que je veux vraiment surtout dire à ces jeunes qui ont, par exemple, été influencés par une mauvaise fréquentation ou par des gens qui sont très mauvais, qui essayent de les désorienter, je leur dis qu'il faut toujours arrêter et qu'ils peuvent revenir. Parce qu'il y a toujours moyen de revenir de ce chemin. Et même s'il y a certains papas qui, on va dire, qui éprouvent du moins de l'extérieur un certain sentiment de colère, mais à l'intérieur, il y a toujours de l'amour. Bien sûr. Il y a une chose, moi je vais te dire une chose, mon ami, c'est que le père, et moi je suis père, je peux pardonner tout à mon enfant, tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Même si parfois, je me montre sévère. Et là aussi, je dois m'adresser aux parents. Ouais. Aux parents, ils ne doivent pas être tellement sévères. Là, il y a deux minutes, tu as évoqué le dialogue. Le dialogue, c'est très important avec nos enfants. Mais parce que l'enfant, il ne sait rien de la vie. Nous, on a un peu d'expérience. Même nous, on a besoin de conseils. Alors, je trouve que le meilleur moyen, c'est de dialoguer avec nos enfants, discuter avec eux, ne pas les obliger à faire des choses, mais les convaincre à faire des choses. C'est-à-dire, moi, j'ai ma fille, je ne l'ai jamais forcée, par exemple, à porter le voile, ou bien sûr, à faire sa prière, par exemple, de force. Je l'ai laissée à elle-même, je l'ai discutée, elle voit que moi, je fais ma prière, sa maman, elle fait sa prière. Je lui dis, bon, tu veux réussir, il faut demander à un Dieu pour t'aider. Et ce Dieu-là, si tu lui demandes rien, il ne te donnera rien. Si, il t'a déjà donné la vie, il t'a déjà donné une force, il t'a donné une intelligence, tout ça. Et je discute avec elle. Et petit à petit, c'est elle. Elle est convaincue par elle-même. Parce qu'il y a un dialogue. Et moi, je dis aux parents, il faut absolument dialoguer avec nos enfants. Bien les éduquer. Bien sûr, avec la parole. Et vous savez que dans notre religion, le mot Jésus, c'est quoi? C'est la parole. C'est Mohammed, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la pu convaincre le monde entier. Avec le Coran. C'est des choses extraordinaires. C'est-à-dire, et parfois, il y a des parents qui sont un peu tellement qu'ils veulent faire du bien, mais ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas s'y prendre, en fait. Ils n'ont pas cette psychologie ou cette pédagogie, en fait, à mettre. Oui. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire par exemple le bras de fer avec l'enfant, parce qu'à un certain âge, l'enfant est tellement fier, il croit que les parents sont des cons, ils ne savent rien, que c'est lui qui est intelligent, le vieux, il ne comprend rien. Nous, on disait ça pour nos parents, nos enfants, ils sont en train de dire ça pour nous. Mais ce vieux-là, c'est l'intelligence suffisante, et s'il est vraiment, il doit toujours discuter avec son fils, même si son fils, il lui donne un peu de liberté. Cette liberté, il doit pas vraiment la franchir, mais d'une manière avec violence, mais avec beaucoup de tendance, beaucoup d'amour. Et je crois que c'est une méthode pour préserver nos enfants. Il y a une chose, Akhi Saïd, et je me dois d'être sincère et honnête avec toi, c'est que hier, lorsqu'on était en train de déjeuner, il y a une chose qui m'a impressionné. C'était justement lorsque ce jeune homme est venu chez toi pour te demander un autographe, et tu lui avais notamment posé la question en lui disant « Est-ce que tu connais l'arabe ?» Il avait répondu non, et tu lui as signé cet autographe en français, et tu l'as également signé en arabe, et tu lui as dit « Écoute, je vais te l'écrire en arabe également, justement pour t'encourager ou pour t'inviter à apprendre justement cette langue. » Et nous savons tous que la langue arabe, c'est la langue qui a été par laquelle a été révélé le Coran. C'est la langue des gens du paradis. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport justement à cette langue pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? L'arabe, c'est une langue qui est merveilleuse d'abord. Non seulement parce que c'est la langue de notre Coran, mais elle est merveilleuse. Moi je me souviens de Biyat Sharia qui dit « Al al-bahra fi ahsha'i dorru kaminun fa hal sa'alu al-ghawasa an sadafati ». Même la poésie en arabe, c'est extraordinaire. Et comme l'arabe était une langue extraordinaire, et comme j'ai dit, le mu'jiza que Dieu a voulu montrer aux arabes à l'époque, où c'était la poésie, mu'allaqat sam', mur'ul qais et tout ça, les arabes étaient fiers de leur langue. Il y a le Coran qui arrive avec ses balara et tout ça, des choses extraordinaires. Alors pour ça, moi j'adore l'arabe d'abord. J'adore l'arabe, je suis fier d'être arabe, je suis fier d'avoir cette langue et de ne pas pouvoir vraiment la maîtriser comme il faut. Comme ça me désole maintenant qu'on est en train de parler en français et que ça va être traduit en néerlandais. J'aurais aimé qu'on parle en arabe, comme ça on va être plus à l'aise.
Mais bien sûr, pour que le message arrive, alhamdoulilah, on est un pays qui est très ouvert. On est, nous, les Arabes, on est vraiment très ouverts. Et moi, je dirais que cet enfant, il a dit, ma mère, elle parle arabe. Et là, je m'adresse encore aux mères. Si vous parlez arabe, apprenez à vos enfants l'arabe, c'est important. Moi, maintenant, dans mon travail, là au Maroc, ce qui se passe, il y a des jeunes qui, par exemple, qui reviennent chez eux au Maroc et qui n'ont pas cette force. Ils en ont envie. Et moi, j'ai vécu des moments où je vois l'enfant vraiment avec. Il se sent comme quelqu'un qui a quelque chose qui lui manque. Et là, il peut. Et c'est là le noqtat d'af, ce qu'on dit, le point faible d'un enfant par où les autres peuvent le rattraper. Il y a même des chrétiens qui sont venus chez nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Et ils ont profité de ça pour désorienter des enfants et des jeunes. D'ailleurs, il y a eu tout un scandale. On a tous combattu contre ça parce que nous, on ne fait pas notre travail en tant que parents, en tant que responsables. Alors, c'est pour ça que je demande aux mamans, apprenez vos enfants et aux pères aussi. Apprenez vos enfants l'arabe, c'est très important. Même pour leur avenir, parce qu'il y a des jeunes qui ont des diplômes et qui reviennent au Maroc et ils ont un problème de communiquer en arabe, parce qu'ils ne savent pas. Enfin, alors, et là, le Maroc, maintenant, tout est arabisé maintenant. Il y a même officiellement, d'après les lois maintenant qui sont d'Ostor et tout ça, la constitution actuelle, même les documents sont officiellement en arabe. Alors imagine que par exemple, ton fils ou le mien, il vit ici, c'est un Marocain, il revient chez lui, il veut travailler ou créer une entreprise, ou investir ou faire quoi que ce soit, et il ne sait pas lire un papier. C'est grave. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours dans mes autographes de mettre l'arabe. Justement, tu parlais de constitution, et en général, quand on parle de constitution, on fait référence au gouvernement, etc. Justement, toi, tu es Marocain, tu habites au Maroc. Tu es quand même une star marocaine. Tu es une star marocaine. Merci. Aux États-Unis, ils ont leur Bruce Willis. Au Maroc, on a Saïd Nansiri. Et justement, on a entendu toute une polémique concernant ce nouveau gouvernement, particulièrement Ben Kiran, qui est musulman et qui est comme nous tous, mais plutôt, enfin, ce que je voulais dire, c'était qui est interpellé comme étant un islamiste. Qui dit islamiste dit quelqu'un de renfermé, dit quelqu'un de strict, dit quelqu'un de ceci, quelqu'un de cela. Et justement, j'aimerais savoir, vous, les acteurs, les comédiens, comment est-ce que vous vivez ce changement au Maroc par rapport justement à ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont strictes envers vous, qui sont dures, qui vous mettent des bâtons dans les roues, dans le sens où on veut vous faire censurer certaines choses, etc., etc., etc. Non, pas du tout. Moi, c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect et d'amour aussi pour Ben Kiran, parce que c'est quelqu'un de... D'ailleurs, moi, la preuve, c'est que je suis en train de parodier dans mon spectacle. Et j'ai aucun problème, rien du tout. Pendant les élections, on avait cette inquiétude. Nous, moi, je n'ai pas cette inquiétude parce que moi, je les connais. Je connais les PJD. C'est comme un parti qui existe au Maroc depuis 28 ans. Ils ont toujours été à l'opposition. Et leur demande, c'était des demandes normales, quoi. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et il y a d'autres, ils avaient des inquiétudes par rapport à la création, si par exemple ils vont limiter notre création en matière de cinéma. Mais maintenant, les films qui sortent actuellement au Maroc sont plus osés que les films qui sortaient avant. Il n'y a aucune... Bon, il faut vraiment mettre les gens à l'aise. On ne sent aucun changement, aucune tension, rien du tout. Au contraire, c'est des gens qui bossent, qui travaillent. Et en plus, c'est des gens qui sont honnêtes. Moi, franchement, je le dis, je le répète, ils essayent de faire de leur mieux. Bien sûr, moi, j'en ai fait des sketchs et des blagues, mais pas sur eux. C'est sur les décisions qui ont été prises, la manière dont les choses se déroulent au Maroc. Et je reprends un peu ce qui se dit dans la rue. Parce que moi, je suis un garçon qui suis tout le temps dans la rue avec les gens, je suis dans les cafés, j'entends ce que les gens disent. Mais les choses, ils se passent d'une manière très très bien. Et la preuve, c'est que moi, je me fous de la gueule de tout le monde et ça marche. Et ça, on ne le faisait pas avant. Alors ça prouve que ces islamistes qu'on dit, ils sont là et ils sont ouverts, ils sont prêts. Et il y a même des ministres qui sont venus voir mon spectacle.
Et alhamdoulilah, il n'y a aucun souci dans ce sens. Et je le dis, les investisseurs sont maintenant plus tranquilles parce qu'avant, ils avaient peur. Les bars sont toujours ouverts. Et il y a les mosquées aussi. Et les gens, ils ont le droit d'aller là ou ce qu'ils veulent. Il y a le dialogue aussi qui est très important. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, bien sûr. Sur le plan politique, bien sûr, il y a des lacunes. Et c'est des lacunes là que j'essaye d'évoquer ou de dénoncer et tout ça, mais sur le plan politique. Sinon, sur le plan religion, je ne crois pas qu'il y ait des changements. Au contraire, on a toujours été un pays modéré, des musulmans modérés, on est toujours un pays ouvert. Et c'est-à-dire que le plus important pour nous, c'est d'avancer, de ne pas reculer. Et il y a aussi ce dialogue extraordinaire. C'est-à-dire, si vous avez remarqué que dans tous les pays, il y a eu quand même des mouvements, et ce qu'on appelle Rabi al-Arabi, le printemps arabe, sauf chez nous. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est à l'abri. Mais quand même, les décisions qui ont été prises, surtout par notre Sidna Allah Nsoro, Sidi Mohamed, c'était des décisions qui sont extraordinaires. Et ça prouve qu'il est à l'écoute de ces jeunes. Quand les jeunes de 20 février se sont manifestés, ils ont commencé. Lui, il était là. Il n'a pas pris exemple qu'Allah le préserve par rapport aux autres. Aux autres, voilà. Et ça prouve que... Mais pourquoi? Parce que moi, je suis très royaliste. Je suis marocain jusqu'à Noukha, comme on dit. J'adore mon pays. Et bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité dans mon pays. Et je crois que c'est le souci de chaque citoyen au Maroc. Et c'est ça notre force, nous, les Marocains. Et je trouve que par rapport à d'autres pays, on a cette force-là, parce qu'on aime beaucoup notre pays. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon spectacle, les seuls résidents à l'étranger qui reviennent chaque année et qui essayent d'investir le dernier penny de leur argent au Maroc, c'est les Marocains. Et ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, on a vu la quatrième génération qui est en train de faire des spectacles pour aider les orphelins marocains. Ça, c'est une grande preuve que le Marocain, il va vers le bon chemin. Tout ce qu'il nous faut, c'est que Dieu nous préserve et qu'on essaye, nous, comme je l'ai dit, de dialoguer, de discuter et de trouver vraiment la bonne méthode. Et je reviens toujours à la parole. Parce que quand il est arrivé, c'est la parole. C'est la discussion. On est un peuple qui doit communiquer. On est de bons communicateurs, nous. Et on a tous les arguments pour communiquer. Exactement. On a tous les moyens. C'est extraordinaire. Exactement. Et ça, dans tous les domaines. C'est-à-dire, on a parlé de la drogue, il faut communiquer. Maintenant, les méthodes qui se font aux États-Unis, c'est quoi pour aider les gens à se désintoxiquer ou les centres désintoxiqués? C'est la parole, c'est la discussion. Il n'y a pas plus les médicaments, parce que les médicaments ne servent plus à rien. Exactement. C'est des gens qui se réunissent et qui discutent, parce qu'on a toujours des problèmes, on a du mal à nous extérioriser parfois. Et c'est grâce à la discussion, à la parole. Et surtout la parole de Dieu. Quand on parle avec quelqu'un, et on lui donne... Moi, j'ai remarqué, notre parole, salam alaykoum, Allah yarhamak al-walidin, Allah yajazik bikhir, jazakallahu khayran, Allah yahfdak akhouya. Même les jeunes, ils le disent, Allah yahfdak, tabarakallah alayk, Allah. C'est des jolis mots. Et c'est ça qui nous fait. Là, par exemple, en français, merci, c'est bien, c'est beau, allez, fonce. C'est pas ça. Mais l'arabia, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort, exactement. Tabarakallah alayk, Allah yahfdak, Allah yazak, Ghazal, Allah yatak al-khayr. Dis-moi qu'il y a Allah. C'est extraordinaire. Et moi, je trouve que c'est avec ce dialogue, et je trouve à nos jeunes, il faut vraiment dialoguer avec eux, il faut toujours garder et surtout instaurer l'arabe, c'est très important, c'est très important. Akhi Saïd Nansiri, moi j'ai énormément de choses à te dire, j'ai énormément de questions à te poser, j'ai énormément de choses, mais je sais qu'on est pris par le temps également. Je voudrais juste que tu termines avec une conclusion, pour clôturer cette rencontre, sur l'évolution des jeunes au Maroc. Comment est-ce qu'eux vivent l'islam au Maroc? Comment est-ce que eux... comment est-ce que toi tu les vois, toi qui les connais, toi qui les fréquentes, toi qui es avec eux, comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de ces jeunes au Maroc? Moi franchement, de chaque année, moi je fais mes prières du Ramadan, parce que le Ramadan je me concentre carrément à Salah ou l'Ibad, alhamdoulilah. Je ne travaille même plus le Ramadan, parce que même si je fais des enregistrements, je les fais avant, et c'est le moment vraiment mythique pour moi. Et là, à chaque fois, Tarawih, quand je vais, nous avons une mosquée qui est à côté. Et là, je dois saluer un monsieur
qui est l'imam d'Yana, c'est le Grahani, qui est extraordinaire. Et c'est mon ami, il était artiste avant, hein, je ne sais pas, c'est, il était chanteur lui avant. Il était chanteur, et puis, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il est devenu quelqu'un, il a une voix sublime. Une voix extraordinaire. Extraordinaire, et moi, je fais tous mes prières, c'est à côté de chez moi. Et là, on est là, et je fais partie de l'association qui s'occupe de la mosquée du quartier. Et on reçoit jusqu'à 30 000 personnes. C'est extraordinaire. Il y a lui, bien sûr, il y a Qzabri, il y a d'autres. Il y a 5 ou 6 imams qui sont très très forts. Et chaque année, le nombre de jeunes que je vois dans les mosquées, c'est impressionnant. Et ça me fait énormément plaisir. Et c'est des jeunes ingénieurs, des jeunes... Même ceux qui étaient délinquants parfois, quand on est dans le quartier, ils se sentent un peu gênés, et ils sont là. Mais il y a toujours du respect. Il y a toujours du respect, c'est extraordinaire. Non, je crois que, alhamdoulilah, chez nous, en notre pays, il y a toujours ce respect, il y a toujours nos valeurs. Bien sûr, il y a, comme j'ai dit, il y a des lacunes, il y a des petits hauts et bas, et ça, c'est par exemple, c'est dû à, bien sûr, à la situation de quelques familles sur le plan social. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui chôment, il y a des gens qui n'ont... On a ça. Mais je crois qu'avec beaucoup d'iman, inch'Allah, mahabba, on essaie, comme je dis, le dialogue, ça va, inch'Allah, aller encore plus loin. Mais moi, j'ai confiance à la jeunesse marocaine, et je crois qu'ils vont vers le bon chemin. Et ça fait énormément plaisir. Et là, je demande aux jeunes d'ici de ne pas oublier leur pays, le Maroc, de ne pas oublier leurs frères qui les attendent toujours au Maroc, et que grâce à eux, on a notre économie qui augmente, parce que c'est eux les rapatrieurs de devises. Exactement. Et c'est eux qui construisent notre pays. Si on va par exemple dans des villes comme Husseima, il a été frappé par Zilzel. Et au bout de 2 ans, il s'est reconstruit. Grâce à la majorité, c'est des gens qui viennent ici, tout ça. Je crois qu'ils doivent suivre leurs parents. Leurs parents, ils sont venus ici il y a longtemps. Ils ont trouvé, pas seulement la drogue, ils ont trouvé la boisson, ils ont trouvé tout libre. Mais malgré ça, ils ont gardé leur valeur. Ils ont tenu à leur religion, leurs principes. Alors je dis aux jeunes de faire la même chose que leurs parents. Et comme ça, ils vont être la fierté de leurs parents et la fierté de nous, les Marocains qui sont là. Oussa Saïd, Akhi Saïd, qu'Allah te préserve, t'aide et t'assiste. Je te remercie pour m'avoir accordé ce temps. Non, tu le plaisir est bon, au contraire. Moi, j'aimerais bien. C'est un plaisir. J'espère pouvoir te rencontrer de nouveau. Bien sûr. Au Maroc, inch'Allah.